Au moins, je vais faire 5 ans, il y en a, ils font 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans. Après, c'est la course à celui qui fait le plus. Wouh! Tu sors, t'as presque 30 ans, frère. Et après, tu commences à quoi? 2500. Tu commences 2500 euros. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. J'ai un plan pour vous. Vous allez aller tout simplement en BEP. Oui. Vous allez en BEP et vous allez tirer des câbles. Voilà. Vous allez tirer des câbles et comme ça, il n'y aura pas de problème et tout le monde sera content. Et il n'y a pas de problème. C'est la fête. Voilà. C'est la fête. On est bon. Et là, on est bon, les gars. Là, on est bon. OK? Et essayez de faire un effort sur vos notes, là, monsieur Hachi. Là. Oups. Essayez de faire un effort sur vos notes, monsieur Hachi. C'est du n'importe quoi, là. Donc, moralité, je suis parti en BEP. Donc, toi, tu es là, tu suis dans le truc. Hein. T'es là, tout ce que tu veux faire, c'est la fête. T'es là, wouh, je sors du coup, ça, la rotation, wouh, tout ça, mais tu calcules pas. Ouais, BEP, wouh, wouh. Après, j'arrive en BEP, j'ai mis la misère à la prof, wouh, loulou. Je chantais, rimboé. Je chantais ça dans la classe. Et des mots très perturbateurs. Hein. Donc, le gars, on sent qu'il n'est pas du tout dans la conscience de ce qui se passe, tu vois. Il est là, il chante en rimboé dans la classe, rimboé. Monsieur Archie, j'en ai marre de vous maintenant. Vous sortez de la classe. Ouais, comment ça? Comment tu me parles, toi? Donc, c'est du n'importe quoi. Donc, en fait, c'est du n'importe quoi. Oh, rimboé. Après, tu sors, t'es trop content, tu rigoles. Jusqu'au moment où arrive, où il faut passer le BEP. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bon, on redouble. Et voilà, on redouble. Et après, ils ont dit, bon, monsieur Hachi, en vue de votre comportement... Hein, c'est pas très reluisant tout ça. Hein. Toujours le mot reluisant qui revient à chaque fois, hein, évidemment. C'est pas très reluisant tout ça, monsieur Hachi. Hein. J'ai l'impression que. On va pas pouvoir vous reprendre. Hein. Et c'est là que tu te rends compte que là, t'as foutu la merde. Tu fais. Non, mais s'il vous plaît, vous pouvez pas me reprendre. Je veux travailler, s'il vous plaît. Si, je vais travailler. Je sais pas si l'école va vous accepter, monsieur Hachi. Là, vous foutez la merde tout le temps. C'est relou, là, quand même, non? Ok, du coup j'ai redoublé mon BEP. Bon bref, en tout cas on s'éloigne de l'histoire originale. Donc du coup, boum, tu fais des études, BEP, boum, après le bac et tout. Bon, parce qu'après du coup je me suis réveillé quand même. Après le BEP j'ai dit, oh, bon, peut-être que là faut quand même faire un petit truc quand même. Parce que là, si la fin du... si on me dit tout de suite il faut aller travailler, on dirait que c'est un petit peu relou. Parce que je faisais des stages et tout, j'ai vu que c'était la misère. J'ai vu quand j'étais en BEP là, BEP trop tétis, je commençais à faire des stages. J'ai senti que le bail d'être électricien, ça allait être bizarre. J'ai senti que ça allait pas le faire vraiment, tu vois. Donc j'ai dit non. Oh, on est là ou quoi? Hey, fuck USD. Hey, mon gars, si tu veux faire un petit live, comment on dit ça? Une request, dis-moi mon gars. Comme ça, boum, 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 on parle ensemble, non, on est là, on échange. Donc du coup, donc après, tu vois l'école. Donc j'ai fait l'école. Donc l'école, on te met la carotte. Lycée. Après, quand tu arrives au bac, on te dit, allez, il faut faire des grandes études, parce que sinon, tu fais pas des grandes études. Genre, ça va être la misère. Comme ça, le réseau, il est relou. Il n'y a pas de réseau, quoi. Mais t'es sûr que c'est pas ton réseau, plutôt? T'as dites-moi en commentaire si jamais le réseau, il passe bien ou pas. Ouais, c'est important ça les gars. Donc du coup, après quand t'arrives au bac, on dit ouais vas-y, il faut que tu fasses de longues études parce que sinon mon gars t'es dans la misère. Hein. Attention, si tu veux bien gagner ta vie, tu veux devenir riche, il va falloir faire de longues études. Donc si tu peux être docteur ou avocat, je te dis c'est chaud. Alors pour les plus braves, les gars se lancent dans le truc de avocat docteur, tu vois. Hein, déjà c'est la misère parce que les gars font un an là et c'est la misère. Comment ça s'appelle l'année où tu dois être sélectionné. Donc c'est la misère. Bon bah apparemment tout le monde dit c'est ok Kimi. Hein. À mon avis ça vient plutôt de chez toi. Hein, parce que les autres ont dit que c'était ok. Et donc après, boum, donc toi t'es là, tu pars, boum, moi ouais, je vais faire 5 ans. Il y en a, ils font 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans. Après c'est la course à celui qui fait le plus. Wouh, tu sors, t'as presque 30 ans frère. Et après tu commences à quoi? 2500. Tu commences 2500 euros. Tu te dis ah ouais, j'avais pas prévu ça comme ça en fait. Voilà. Thank you.